Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Aujourd'hui met au monde les ténèbres. Et la terre offre une côte inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent. L'image avec l'étoile s'avance. Car tu es bien pour nous, petit enfant. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent, car tu es né pour nous, petit enfant. Psaume 118, strophe 6. J'espère en tes jugements,
que j'observe ta loi sans relâche. Psaume 124. Psaume 125. Oh, le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme au rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Il nous disait chez les païens merveilleux. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert, les semeurs qui
sème dans les larmes, moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Plus sûr mon cœur aurore, Israël a attendu son Seigneur, en lui est caché l'abondance de toute misère. Cantique d'Isaïe 61, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a d'Adrienne von Speyer, l'expérience de la prière. Marie prie. Elle prie dans la force de sa foi et dans la foi que fortifie la présence de l'enfant. Elle sait que sa prière est assumée par Dieu. Et par la venue des mages, elle sait que le monde va commencer à prier. Elle voit que la prière, la foi, se propage, que tout prend plus de consistance. Ensuite, il ne se passe plus rien. Ce seront les années de solitude dans la petite famille. La confirmation que l'adoration des mages
a apportée ne se renouvelle plus. Et cependant, la prière de Marie doit inclure le monde, qu'il se présente sous la forme des voisins indifférents ou sous la forme des pays lointains, dont, par leur venue, les mages ont indiqué l'existence. Au niveau de la prière, la jeune mère doit déjà être l'Église. Dans la solitude, elle doit rester ferme, ne pas se préoccuper du nombre. Elle n'a pas à partir au loin pour présenter comme un apôtre son enfant au monde. Elle doit plutôt montrer à Dieu le Père que l'enfant a chez elle une patrie, quelque inconsidérée et indifférente que puisse être l'attitude du monde. Sa prière doit apprendre à ne pas se laisser déconcerter, pas plus qu'elle ne réfléchit sur elle-même. Elle ne peut réfléchir sur la destinée de son fils et sur la méconnaissance qu'il recueille. Sa tâche propre consiste à créer, par la prière et une foi assurée, une demeure pour l'enfant. Elle doit vraiment établir une forteresse imprenable, un royaume terrestre aux fondations profondes, si profondes qu'elle-même n'en connaît pas la profondeur. La prière doit prendre possession d'elle au point de libérer tout l'espace en elle pour le Fils. Cet espace est aussi celui de l'Église, préparant l'espace de Dieu dans le monde. Marie doit se rendre disponible au point de devenir un champ infini sur lequel l'Église pourra toujours se bâtir au nom du Seigneur. C'est une remise de son esprit à la prière, si englobante et si vaste qu'aucun esprit chrétien ne peut s'y comparer. Et moins que quiconque, Marie ne peut évaluer les dimensions de cet espace. Thank you.
plus sûrement que l'aurore. Israël a attendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. D'humilité, de douceur et de patience. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi. Hier, dans la lumière de la fête de la Mère de Dieu, nous recevions cette bénédiction. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Aujourd'hui, nous entendons Paul, dans sa posture de prisonnier faible et fragile, nous exhorter à garder cette paix au cœur de nos relations qui, depuis la nuit de la Nativité, a pris un visage, celui de l'Emmanuel. Par Paul, nous entendons la voix libre d'un ami qui tient à transmettre le trésor de son cœur. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Cette unité a une source, la présence agissante de l'Esprit, du Seigneur et du Père. C'est une invitation à se laisser mesurer par Dieu qui veut notre bien. Cette unité se réalise dans le dynamisme d'une croissance où chaque ministère
à sa place. Chacun de nous a reçu sa part de faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est une invitation à se laisser mesurer par les frères que Dieu nous donne. Cette unité se garde par le lien de la paix. Comment ? En empruntant un chemin qui nous rend plus humains dans nos relations, un chemin d'humilité, de douceur et de patience, avec le souci que chacun puisse cheminer dans sa vie filiale, dans cette découverte du Père. C'est un chemin pascal où nous apprenons à mourir à nous-mêmes pour que l'autre vive. Sur ce chemin, notre joie doit être de voir le frère grandir et réussir à la mesure de notre effacement. Ainsi, sur ce chemin, le frère peut devenir, par élection divine, un ami. Et la charité fraternelle se transformer en amitié spirituelle. C'est ce qu'ont vécu Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, ces deux saints, originaires de Cappadoce au IVe siècle, que nous fêtons en ce jour. De telles amitiés font du bien, parce que justement elles nous rappellent la gratuité de l'amour de Dieu. De telles amitiés procurent la paix et la joie, et elles sont un lieu extraordinaire de transmission de la vie. Jésus, ami des hommes, apprends-nous à accueillir ou à réaccueillir nos relations comme un don de ton esprit, voire comme un pardon, et qui sait par surcroît comme un don d'amitié. Donne-nous de voir chacune de nos relations comme un don de ta miséricorde pour parvenir ensemble à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, le dialogue social en cours dans notre pays. Que chacun de ses intervenants agisse en vue du bien commun. Devant toi, Seigneur, la situation au Moyen-Orient,
éveille dans le cœur des belligérants un goût authentique pour la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Basile et Saint Grégoire que nous fêtons en ce jour, nous te prions, Seigneur, pour le sens de la fraternité dans ton Église et dans notre communauté. Révèle-toi à nous dans notre frère. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu sans fin, sans immortel, en pitié de nous. Avec Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze, Seigneur, à ton commandement, nous nous tournons vers ton Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité et que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon.
fruit de ton sein. Entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est...